Allez, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. Merci de passer, ça fait plaisir, c'est Cool Sharks pour vous servir. Aujourd'hui, on va voir un petit tuto pour vous montrer à quel moment, lors d'un décollage en Manflex, donc avec la technologie du Flex to Temp, comment savoir à quel moment on peut remettre nos gaz de Manflex à Climb. Comment les remettre sur Climb? On voit ça tout de suite après le jingle. À tout de suite tout le monde. Et me revoilà les amis, me revoilà. Donc aujourd'hui ce petit tuto va concerner le fait de savoir à quel moment quand je décolle en Manflex, donc avec la technologie Flex to Temp, à quel moment, une fois que j'ai décollé, je peux repasser mon throttle sur CLB, donc Climb. Vous savez que quand on décolle et qu'on utilise la technologie du Manflex, on met notre throttle sur FLX MCT, d'accord? Mais à quel moment, une fois qu'on a décollé, on peut repasser sur CL, d'accord? Donc Climb, notre throttle. Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ici, Airbus, encore une fois, nous guide énormément lorsque l'on vole. Pour le décollage, quand je vais passer en FLX MCT, donc en Manflex, mon avion va commencer à s'élancer. Bien évidemment, ici, en haut, à gauche de mon PFD, je l'ai extrait pour que vous puissiez mieux le voir, il va y avoir FLX MCT qui va s'afficher en bleu Manflex. D'accord? Et une fois que j'ai décollé, une fois que j'ai atteint l'altitude nécessaire, mon PFD va me faire clignoter en blanc, juste en dessous, ici, LVR CLB. D'accord? C'est à cet instant que vous pourrez repasser votre throttle sur CL. D'accord, en climb. Ok, donc on va réaliser le décollage ensemble et vous allez voir. Surveillez bien le PFD et vous allez pouvoir voir. Donc c'est parti, je mets 50% de gaz, enfin de puissance, pardon. Voilà, et une fois que c'est stabilisé, je passe en Manflex. Donc là, le Manflex qui s'affiche juste ici. Hop, on surveille, on atteint les 100 nœuds. Hop, notre V1 est à 141 et notre rotation à 142. Hop, V1, rotation. On réalise notre rotation. Voilà, et on surveille. On peut rentrer le train d'atterrissage. Et on surveille juste ici, là, à cet endroit. Si le LVR en blanc va se mettre à clignoter, et c'est à cet instant qu'on va pouvoir repasser en climb. Et voilà, vous voyez, LVR climb, LVR CLB qui clignote, c'est à ce moment-là que vous repassez votre throttle sur climb. Et voilà, et là je suis en THR climb, tout est bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous avez l'information sur votre PFD, en fait, hein. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, les amis. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais en tout cas, c'est toujours une joie de vous la faire et de vous la partager. J'espère que ça va vous aider. Donc, c'est très simple, hein. En fait, quand vous décollez en Manflex, le moment où vous repassez en Climb, c'est indiqué sur votre PFD, ça clignote LVR, CLB en blanc juste en dessous. Vous voyez, donc c'est à cet instant que vous repassez en climb. Voilà les amis, si ça vous a aidé, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires, je me ferai une joie de les lire bien évidemment et d'y répondre si vous avez des questions. Voilà les amis, prenez soin de vous, surtout en ce moment, profitez de la vie parce que vous en avez qu'une seule. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. On se dit à très très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao tout le monde, fly safe, peace les amis. Everybody get your fucking hands up.